Allez, on y va, les enfants. D'accord. Sunshine est toujours champion. Jusqu'ici, personne n'a réussi à le monter pendant 8 secondes. C'est que tenir sur un taureau comme celui-là, c'est pas facile. On vient de lâcher Sunshine, qui doit participer à la prochaine course. Descendez du mur! L'ancien champion se prépare pour la prochaine épreuve. Il a tiré au sort le fameux Sunshine, de l'élevage de Buckhorn. Comme je vous le disais, aucun cowboy n'a tenu plus de 8 secondes. Attention les gars! Junior Bonheur et Red Terwillinger font équipe. Depuis le début du rodéo, on appelle Red Terwillinger sac d'or. Quant au taureau qu'il a tiré au sort, il s'appelle Tornade. Le meilleur score jusqu'à maintenant pour les monteurs de taureaux est de 75 points pour un score maximum de 100. Terwillinger a toutes les chances de toucher la prochaine prime. Et ceci met fin à notre tournoi de rodéo. L'association des Cowboys de Rodéo et les organisateurs vous remercient d'être venus. Nous espérons que la soirée. Salut Junior. Soyez prudent en conduisant. Faites attention aussi en marche. Que je ferais mieux de changer de boulot, moi. On se retrouvera à Prescott, Junior. Stay.
wishing I could stay. Le plein, monsieur? Mais en 15 litres, ça ira. De l'ordinaire. Il manque à peu près 2 litres d'huile. Vous voulez regarder? Oui, tout de suite. Ah, je vais vous prendre quelques pommes. Servez-vous, vous avez le choix. Merci. Ah, ça fait 30 cents. Merci. Pas de quoi. Il est 8h45 à Denver et c'est une belle journée qui s'annonce. Ceux qui viennent seulement de se réveiller, je vous signale qu'il fait déjà 22 degrés à l'extérieur du studio. La ville a reçu 40 000 visiteurs et nous en attendons un... Comment va l'homme des rodéos? Il s'ennuie. En attendant la fiesta, un peu de musique pour vous répondre. Ne soyez pas triste. Un beau garçon comme vous, vous finirez bien par trouver l'âme sœur. Trop tard.
ça ne coûte que 5000 dollars. Je n'ai pas besoin d'un pénitru. Et je ne le prendrai pas, même si tu me le donnais sur un plateau d'argent. Tu verras, ça marchera. Je sais de quoi tu es capable. Pour me faire perdre du fric, il n'y a pas mieux que toi. Ah, ça va, ça va. J'ai pas découvert une mine d'argent au Nevada, c'est vrai. Mais cette fois, tu sais à quoi je pense. Et je pense à l'Australie. Alors? L'Australie, c'est pas la porte à côté. Ah, c'est trop loin pour moi. Oui, c'est possible, mais j'ai déjà investi les 3000 dollars qui me restaient dans ce projet. Ça ne m'intéresse pas, ton affaire. Je veux pas y mettre un penny. J'en ai soupé de tes combines. Si des fois tu changes d'avis ou si tu veux rester dans les parages, je te gêne pas, je te verserai une pension alimentaire. Alice, tu m'enverras la note. De toute façon, tu tiens mon sort entre tes mains. C'est ce qu'elles ont de mieux, les infirmières. Les mains et le cœur. Ma main sur ton cœur. Dans un instant. Mais avant, un mot de notre commanditaire, Curly Bonheur. Ah. Bonjour, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mes bons amis, si vous rêvez d'habiter loin des villes, en pleine campagne, ne cherchez plus. Je viens de faire aménager un admirable emplacement situé à l'est de Prescott, Arizona, en plein cœur de la zone montagneuse. Les amis qui habitent là-bas sont prêts à vous accueillir. Dépêchez-vous de me contacter à la compagnie Curley Bonheur. Ça vous fait rien de descendre de là? Hey, Gus, j'aimerais que tu mettes ce noireau tout seul. C'est pas une bête qu'il faut laisser avec les autres. Et sois prudent, il t'enverra en l'air avec sa queue. Pour monter un de ces taureaux. Hé, hey, Junior, méfie-toi de ce taureau, il est plus vicieux qu'un serpent. Je te jure que c'est pas un cadeau. La plupart des types qui l'ont tiré au sort étaient prêts à donner 10 dollars pour qu'on le monte à leur place. Ah.
Bonjour, Junior. Tiens, Junior, salut, comment ça va? Ici, ça va bien. Bah oui, on peut mieux, content de te voir. Je suis content de te voir. Quand es-tu arrivé? Hier soir. Est-ce que le propriétaire de la caravane... Nous avons ton inscription. On t'a inscrit pour l'amende du cheval sauvage, l'amende du taureau, pour la mise à terre du taureau et la traite de la vache. Je vais inscrire mon père aussi pour la traite de la vache sauvage et on ira toucher la prime. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, on est toujours content de vous voir travailler ensemble. Là. Merci. Combien ça fait en tout, Française? 1,25. Nous disons donc 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 20, ça fait 50. Merci beaucoup. Le tirage au sort des taureaux est pour demain matin, 10h. Très bien, j'y serai. Parfait. Tu n'aurais pas vu mon père dans les parages? Ah non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Curly, par contre. Il doit sûrement savoir où il est. Ah. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. À plus tard. À plus tard, c'est ça. Tu es à Warpaint. Ah, bonjour, Red. Salut, Junior. Toi, t'as Pontiac et Chino Valley. Ouais. Et donc, je ne t'ai pas vu au palace. Non, j'ai dormi ailleurs. Tu peux me prêter $15? Tu sais que tu m'en dois déjà 25. Ben, ça fera 40. Tu as de la monnaie? Je vais aller t'en chercher. Viens au palace ce soir jouer au poker, je pourrais te les regagner. Et dis donc, pourquoi tu viens pas avec nous, Junior? Voulez-vous que je vous donne un conseil? Vous tâchez de vous trouver un monsieur plein de fric et vous me fichez la paix. D'accord. À tout à l'heure. Un monsieur au grand cœur, hein? Eh oui, Red. Un cœur presque aussi grand que toi. Junior. Macron n'est toujours pas là? Non, il a dit qu'il allait au palace, oui. Ok. Salut Junior, comment te voir? Salut, ben, moi aussi. Sois le bienvenu, Junior. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Ah, c'est moi qui offre la tournée. Ah bah tiens, ça c'est nouveau. Deux bières. Deux bières. Et voilà. Quand j'offre, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, eh bien, à ta santé, mon petit. À la tienne. Hé, hey, vous là! Faites-moi le plaisir de rentrer tout de suite chez vous et d'aller jouer à la poupée. Tu devrais changer de disque, Dale. Allez, allez, faites ce que je vous dis. Bonjour. Junior. Salut, Homer, ça va? Salut, Junior. Tu m'offres une bière? Ouais. Permets? Tournez. Tout de suite, Junior. Hé, hey, Buck, j'arrive. Dépêche-toi, j'aime pas boire seul. Tu en prends une autre? Oui, après ma conférence. Dale. Voilà, tout de suite. Voilà. T'as quelque chose à me dire? Comment tu te sens? Très bien. Très bien. T'as pas l'air en forme? Non, non, Buck, ça va. Tu t'inscris au rodéo de Salinas, enfin, je veux dire après, quand t'auras fini ici. Non, je rentre chez moi à Cheyenne, mes bêtes doivent se reposer. Ah. Est-ce que ça te plaît de monter devant les habitants de la ville? Moi et mon vieux, on va traire la vache sauvage ensemble. Quel beau couple. Oui, moi et S, t'es contre? Pour l'argent. Oh, j'y pensais pas, c'est pas ça le plus important. Mais je veux une fois encore que tu me donnes Sunshine. Avec la chance que tu as toujours eue, te sera peut-être attribué. Je voudrais pas compter sur ma chance. Le tirage au sort, c'est pas moi qui le fais. Tu l'as dit, la plupart des cow-boys paieraient pour ne pas avoir ce taureau. Tu n'aurais pas l'intention de me payer pour que je te le fasse attribuer. Buck, je te répète ce que je t'ai dit. C'est pas l'argent qui compte pour moi.
Je ne me trompe pas, tu as l'air d'être sérieux. Juste lui et moi, tu comprends? Écoute, Junior, tu me connais, j'ai pas l'habitude de me prêter à ce genre de combine, même par amitié. Et puis je suis désolé de te le dire, il faut que tu te fasses à cette idée. Tu n'es plus le cavalier que tu étais il y a quelques années. Il le faut, Buck. C'est mon pays natal. Prends rendez-vous quand tu veux lui parler, Junior. Aujourd'hui, c'est avec moi qu'il a rendez-vous, pas vrai, Buck? C'est vrai, oui. Bon, t'as compris, Junior. Je dois aller travailler si je veux pas qu'un autre me remplace. Peut-être que tu auras de la chance, Salinas. Ouais. Hé, Rudy. Ouais. Amène-toi. Je viens. Je montrerai ce taureau pour moitié prix, Buck. T'es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et tu es très généreux aussi. Je suis comme ça, moi. Je suis plein de confiance. C'est ce que je vois, Junior. Dépêche-toi, Buck, on t'attend. Eh, allez-y, donnez les cartes. Agence Curly Bonheur. Objet ancien, achat et vente. Doucement. Je ne mords pas, tu sais. N'aie pas peur. C'est un chien très intelligent. Suivant l'homme, où il te lèche la main, ou il te l'arrache. Tu as rajeuni depuis que je t'ai vu. Sale flatteur. Viens, donne-moi des tomates. Ah, tiens. Alors, te voilà fermière. J'essaie de le devenir, en tout cas. Le vieux est encore parti. Ah, il n'est pas loin. Il est à l'hôpital depuis hier soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a quitté le ranch et il s'est retrouvé à l'hôpital. Météorologique pour la région de Prisco. Averses dispersées et intermittentes dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il buvait? Qu'est-ce que tu crois? Il a bousillé son camion. Mais il va bien. Oh, ça va bien. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a de la chance que pour les canailles. Je suis monté au ranch pour le voir. Un type a transformé le coin en sablière. Tu peux me dire qui a fait ça? Oui. Curly. Ace lui a tout vendu. Et tu sais ce qu'il rêve de faire? Prospecter les mines d'argent là-bas, à Tonopah. Alors il est parti avec 15 000 dollars en poche. C'est tout ce que Curly a payé pour cette terre? Seulement 15 000 dollars? Oui, c'est tout. Il y a 400 hectares là-bas. Je sais. Curly et sa femme ont toujours leur bistrot au bord de l'autoroute. Ce sont les deux personnes qui réussissent le mieux de tout le comté. Curly a décidé que le ranch deviendrait un emplacement résidentiel pour caravanes. Et ça marche. Et il ne s'arrêtera pas là. Junior, que comptes-tu faire dans la vie? Bah, si tu penses au pognon que tu m'as prêté, je crains que tu ne sois obligé d'attendre encore un peu. Le contraire m'aurait étonné.
Je ne m'attendais pas à autre chose. Mais ne t'en fais pas, ça n'a aucune importance. Moi, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Ton frère est un garçon débrouillard. Il vend cette maison aussi? Oui, pourquoi? Moi, je pense comme lui, on vit beaucoup mieux à la campagne. Ouais. Est-ce qu'il viendra dîner ce soir? Oui. Je crois qu'il veut te voir. Très bien. Toi, Ace. Peut-être que c'est vous qui avez raison. Peut-être, oui. Je m'en vais, Madame Bonheur. Depuis quand est-ce que tu as des pensionnaires, maman? Ah non. Où vas-tu? Je vais passer à l'hôpital. Bien sûr. Alors, à ce soir. Il est gravement blessé. Il est encore incapable de monter à taureau, mais il a des mains qui s'accrochent partout. Repassez demain matin. Il vous a réclamé souvent. Et quand il se réveillera, voulez-vous lui dire que je suis passé? Mesdames et messieurs, venez par ici. Je voudrais vous dire quelques mots sur le Ranchero Reata. La société immobilière Bonheur a été fondée en 1955. C'est sur cette belle terre que j'ai voulu vous apporter ce qui se fait de mieux en matière d'habitation mobile et de caravane. Parce que je vous le garantis, à Prescott, l'air est aussi léger, aussi pur. Oui, beaucoup plus pur que dans notre Grand Canyon. Nous avons un autocar spécial avec air conditionné pour vous faire faire le tour du Ranchero Reata. Nous avons également de charmantes jeunes filles qui vous distribueront gratuitement des cartes et des brochures. Vous verrez qu'à Ranchero Reata, allons-y, mesdames et messieurs, montez dans l'autocar et prenez votre brochure en montant, s'il vous plaît. Si vous voulez le livre de recettes de cuisine, réclamez-le. C'est que tout, je dis bien tout, l'aménagement est électrique. J'espère que vous apprécierez la limonade qui vous est offerte gracieusement par la société immobilière Curly Bonheur. Eh, Bonnie, Lisbeth, excusez-moi, messieurs-dames. Venez par ici, mesdames et messieurs, si vous voulez acheter votre maison dans le domaine du 3e âge. Il est à 10 minutes du Junior. Centre commercial. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Toujours les rodéos? Est-ce que tu fais un peu d'argent? Bon, je vais pas à me plaindre. Curly, mais tu fais quoi avec ça? J'ai ramassé du pognon, mon vieux, à tour de bras. Attends un peu et tu verras ce que j'ai à te montrer. Hé, les filles, occupez-vous des clients. Je ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Écoute, je te verrai au dîner chez maman vers 7 heures. N'oublie pas, hein. Allez-y, mesdames et messieurs, décidez-vous, montez. Une fois que la maison sera vendue, il n'y aura plus de problème. J'ai tout prévu. On installera maman dans une caravane modèle grand luxe. Maman sera notre meilleure publicité. Tout le monde verra comme c'est confortable et agréable d'habiter au Ranchero. Et comme ça, elle pourra s'occuper de notre boutique de cadeaux. Elle baisera quelques-unes de ses vieilleries. Maman, est-ce que vous ne pourriez pas éviter de fumer quand la petite est à table? Je l'avais oublié, vos places. En voilà deux gratuites. Vous serez aux premières loges. Oh, merci, oncle Junior. Tu vas passer, oncle Junior, un peu de purée de la sauce. T'as de la paille pour demain, oncle Junior? Et oui, bien sûr, mon garçon. Oh, toi, t'es capable de monter n'importe quelle bête, alors? Oui, n'importe laquelle, à condition d'avoir de l'argent. Passe le whisky. Il n'y a pas de cheval qu'on ne puisse monter et il n'y a pas de cow-boy qui ne puisse être démonté.
Les vieux proverbes, ça manquait. Quand on avait un rodéo, on en a vu mille. Ils sont tous pareils. Tu ne parles pas de notre rodéo, chérie. Celui de Priscott est historique. C'est un rodéo comme les autres. Au vieux pour sa terre. 15 000 dollars. Qu'il s'est mis à risquer au jeu et acheté par les fenêtres là-bas au Nevada. Alors il a dû abandonner la prospection. Juste comme il approchait du but, comme toujours. 15 000 dollars. C'est pas cher pour 400 hectares. Et maintenant il s'est mis dans la tête de partir en Australie. Et tu n'as pas l'intention de l'aider? Oh, allons, Junior. Je lui ai promis une pension alimentaire et c'est tout. Il n'y aura rien de plus. Tu me connais. Oui. Pourquoi est-ce que tu penserais pas un petit peu à toi pour changer? Tu l'ignores peut-être, mais t'es arrivé à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Ici. Pour gagner de l'argent avec la terre. Oui, j'ai vu tes grands espaces. Tu en sais moins que moi sur ces espaces. Je te jure que l'avenir est là, Junior. Tu n'es qu'un pauvre cow-boy itinérant et ça ne te mènera à rien. $15 000, c'est tout de même un peu juste. Même si je lui avais donné $30 000, il lui resterait plus rien aujourd'hui. Il était seulement pressé d'avoir le fric. Et c'est moi qui lui ai trouvé. Moi seul. Ce que je voudrais, c'est que tu songes à ton avenir. J'aimerais que tu viennes travailler avec moi. Tu veux que moi, je t'aide à vendre ce qui appartient aux vieux? La terre est à nous aussi. Junior, tu serais un vendeur terrible pour le ranchero. Un grand cow-boy comme toi. Ah, sans blague. T'as l'air plus vrai que nature. Bon, ça sert à rien de faire des projets. T'as l'intention de continuer? Tu veux aller à Salinas après Priscott? T'as raison. J'irai à Salinas, en effet. Après-demain. Tu veux quand même penser à ce que je t'ai dit? Ce que je veux, c'est que tu ne deviennes pas comme le vieux. Oh, chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, mais tu l'as tué! Il l'a pas volé. Junior! Non, non, ne dis rien, je m'en vais. Et j'enverrai quelqu'un demain pour réparer cette fenêtre. Si ça ne t'ennuie pas, emmène son sale cadeau avec toi. Bon, il n'est pas question que vous sortiez d'ici. Regardez-moi bien, est-ce que vous savez ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais me dégourdir un peu les jambes. Mais vous n'êtes pas encore rétabli. Oh, je peux aller droit au ciel, mon ange. Mais pas aujourd'hui. Tiens, soyez gentil, demandez qu'on me nettoie ça. Votre fils Junior est venu vous voir hier, il a dit qu'il reviendrait. Ça ne fait rien. Il me trouvera ou bien c'est moi qui le trouverai. Allez, bye bye, mon ange. Revenez tout de suite dans votre chambre. Vous m'entendez? Revenez tout de suite vous coucher, c'est un ordre, obéissez. Infirmier! Infirmier, ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir. Attention les enfants, je cogne. Est-ce que vous êtes devenu fou, est-ce bonheur? Adieu mon ange de miséricorde. Yahoo! Où on va? Rendez-vous, camarade, voilà une question.
Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je l'aurai, ce taureau, oui ou non? J'y ai beaucoup pensé, Julien. Je crois que t'es un peu dingue. Voilà ma conclusion. Junior, réfléchis à ce que je vais te dire. Si un type veut développer ses affaires, organiser plus de rodéos, se déplacer davantage, ça pourrait peut-être l'intéresser d'avoir un assistant. Bah, un type qui aurait de l'expérience, naturellement. Un champion à son temps. Ah, je me suis dit que je t'en parlerai. Je crois pas, Buck. T'as pris ton petit déjeuner? Non. Ah, rien. Je t'offre deux œufs au bacon. Ça va bien, arrête-toi là. Tiens, garde la monnaie. Alors, mon chien, où as-tu été? Allez, sois sage, je reviens. Hé, hey, là-bas, les filles! Est-ce que vous avez vu Junior, Bonheur? Non, mais c'est avec plaisir, je lui transmettrai un message, de jour et de nuit. J'étais sûr que vous aviez beaucoup de goût. Qui c'est, le tournage? Les concurrents qui ont l'intention de participer à la parade sont priés de se rassembler immédiatement au parc sud. Ace Banner a dormi ici. Il a dit qu'il vous trouverait. Tenez. Moi, je lui donnerai sa potion. Ah, salut. Ah, Roy, tu es donc toujours de ce monde? Eh oui, toujours dans cette vallée de larmes. Et toi, ça va? Mieux que je ne le mérite. Tu vas aller à la parade, peut-être. Qu'est-ce qui te l'a dit? Eh? Combien on a fait de rodéo, tous les deux? Oh, pas assez. Pas assez ou peut-être un peu trop? C'est bien mon avis. Je me demande si j'arrive à tenir la distance. Je crois que j'ai de la compagnie. Rebonjour, mes belles Amazones. Laissez-moi vous présenter M. Ace Bonheur. Enchanté, M. Bonheur. Enchanté. Ah, non, c'est moi. Vous êtes le père de Junior? Je le t'aime, ma jolie. C'est pas vrai, Roy? Si, c'est vrai. Est-ce que je peux vous accompagner à bout de route? Vous avez peur qu'on se perde? Non, j'ai peur de vous perdre. Au revoir, Roy. Allez, au revoir. C'est pas croyable. Où est mon cheval? C'est ton père qui l'a pris. Ace? Ah. On va sûrement le ramener sur un brancard. Est-ce que tous les monteurs de taureaux sont là? Parce que je ne prends plus aucune inscription. Ouais. Je vais vous dire ce qui est prévu aujourd'hui pour vous, monsieur. Se présente tout de suite au secrétariat. Jones, numéro de la part de sa femme. 46 Spike. Tom et Cuff, numéro 16, Tom Tojo. Ensuite, Jimmy Morgan, numéro 86, Speeder. Terwillinger. Red Terwillinger, numéro 35, Thunderbolt. Thunderbolt? Avec ce veau, tu vas faire des étincelles? Regarde bien si tu as le temps et tu verras que j'en ferai. J'ai le temps, t'inquiète pas.
bonheur. Vous avez le numéro 62, Sunshine. Tu as eu Sunshine deux fois en une semaine, Junior. Je prendrai pas un billet de loterie avec toi. Ah, t'as peut-être tort. Mais où tu vas? Chercher mon paternel, il m'a volé mon cheval. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus à Prescott, Arizona, pour la célébration du 84e anniversaire de la grande époque des pionniers qui est fêtée tous les 4 juillet par une grande parade qui sort de chaque année des plus beaux fleurons de notre ville. Vous voyez en ce moment les clowns Elf et la fanfare de nos vétérans. Et après cette ravissante écuyère, le grand shérif du temps des pionniers qui semble sortir tout droit à West. Debout, n'oubliez pas que la première danse est à moi. C'est juré. Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, la ville de Prescott n'a reculé devant aucun sacrifice pour que cette parade soit la plus belle. Nos amis se sont surpassés. Jamais vous n'avez vu un tel déploiement de couleurs. Jamais vous n'avez vu autant de participants. Et maintenant, voici le char de la route. Mes amis, bonjour. Est-ce que vous savez qu'il y a des hot dogs et de la limonade au stand de Curly Bonheur, promoteur du ranch Reata? Approchez, approchez. Venez chercher vos hot dogs, les enfants. Il y a aussi des souffleurs, je venez par ici. Et maintenant, l'orchestre du nouveau lycée de Prescott. Même ce joli toutou a voulu participer à la parade et on le comprend. Venez chercher vos hot dogs et vos souffleurs. Allons, allons, approchez-vous, les enfants. T'as vu le vieux? Oui, il est là-bas, juste devant les Indiens et le drapeau. Je vais te botter le cul, Junior. Je me ferai botter le cul. Ce sera pas la première fois. Il y a 10 ans, mesdames et messieurs, je me suis présenté. Salut, Junior. Ça va, mon chéri? Vous n'avez jamais vu une ambiance aussi extraordinaire, des filles aussi jolies. Bonjour, et des gens aussi sympathiques. Bonjour, Junior. La journée promet d'être chaude. Attention au coup de soleil, c'est dangereux. Vous allez voir dans quelques instants des chariots. C'est avec ces voitures, leur ténacité, leur courage que nos arrière-grands-pères sont venus dans l'Ouest. Les premières automobiles aussi ont été sorties de leur musée. Tout a été mis en œuvre pour que cette journée soit inoubliable. Salut! C'est vraiment un grand jour pour notre ville. Jamais on a vu une foule aussi nombreuse. Tu aimes toujours la parade, Ellie? Et toi, tu aimes toujours les chevaux, Hayes? Ou tu l'as volé, celui-là? Pour que tout soit parfait. Et on peut dire qu'elle a merveilleusement réussi. Salut au passage notre belle collègue, ici de Prescott. Nous remercions tout particulièrement l'orchestre de l'armée de l'air qui a bien voulu accepter d'être des nôtres aujourd'hui. Vous voyez défiler sous vos yeux, en réduction, l'image de notre beau pays, tout ce qui fait notre force, notre jeunesse, notre armée, nos cowboys, nos jolies filles. Oui, c'est vraiment un grand jour dont nous nous souviendrons tous, nous, habitants de Prescott et tous nos amis visiteurs. Salut, cow-boy. C'est un beau cheval ou tu l'as volé? Devine. Bon. Ces ravissantes jeunes filles sont un véritable bouquet de printemps. Oui, messieurs, ce n'est pas vous qu'on admire, mais vous le mériteriez. Et on t'a soif? Jamais je n'ai bu une goutte d'alcool pendant la parade. Et je t'ai cherché toute la journée. J'ai fait la même chose. Tu m'as volé mon cheval, salaud. Et maintenant, faites bien attention, mesdames et messieurs. Vous voyez ici devant vous, est-ce bonheur?
derrière lui, sur le même cheval, son fils Junior Bonheur, deux fois champion de notre rodéo, pour tous les deux un grand bravo. Ils sont tous les deux très sympathiques. Et j'ai une bouteille, tu veux boire un coup? Qu'est-ce que c'est que ces proches? Et voici Curly du Ranchero Slata. Ça va toujours, Curly? Qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas? Ah, ça va, allez, allez, aide-moi à monter, bon Dieu! Ah non, bah, monte derrière! Ah non, c'est toi qui monte derrière! Hey! Yep! Oh! Oh! Ah! Doucement! Je t'attends, cowboy, monte! Je vais me sortir ce cheval de mon jardin! Vas-y. Ah, les gens, les détestent. Moi aussi. Ah, tu montes mieux que moi. Ouais. Je vais te dire. Hein? C'est ma meilleure course depuis la soirée de Noël à Tonopah. Et j'avais un coup dans l'aile. Chez Bobby? Oui, moi et Tony. Elle te dit bien des choses. Ah. Oh. Tu as des nouvelles de Johnny Mars? Ah oui. Il paraît qu'il dresse des chevaux à Carlsbad. Il vient pourtant à El Paso pour le rodéo. Et Buddy Cox? Il n'arrêtait pas de gueuler. Tant qu'il y aura des femmes sur la terre, mon nom ne mourra pas, les gars. Oui, il est mort il y a 2 ans. Hein? Il est mort entre Abilene et Dallas. On m'a dit que ça allait bien pour toi. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Tu vois Ellie, quelquefois? Oh, pas souvent. Dans notre maison en ville, elle a toutes ses vieilleries. Elle n'a jamais été aussi bien. Elle habite là où elle a voulu habiter toute sa vie. Comme elle dit, en plein cœur des choses. Curly va vendre la maison. Elle habitera dans une caravane de luxe. Curly est un homme d'affaires. Junior, je vais partir en Australie. Pourquoi faire? Chasser le kangourou? Non. Il y a plein d'or là-bas et je vais en chercher. C'est une terre à peu près vierge. Elle n'a presque pas été prospectée. Et tu sais pas, il y a des moutons. La meilleure laine du monde. J'ai déjà versé un premier raconte. Ça te dirait rien de venir avec moi? Ah, d'accord, je sais ce qui te manquera. Tu ne seras pas une vedette de rodéo. Mais tu seras utile, tu aideras ton père à démarrer. Je pensais qu'on pourrait peut-être s'associer. Bon, l'associer, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hey, s'il faut que je te dise quelque chose. Non, il faut que je te dise quelque chose. Il n'y a pas que de l'or. C'est une terre très riche. Il y a des métaux rares. Ah, voilà l'avenir, crois-moi. J'ai pas un radis, Ace. Mais bien sûr, tu sais pas au juste ce que c'est que la prospect. Pas un radis? Pas un radis. Et il me faut seulement 5000 dollars. Seulement? Pourquoi pas 100 000 dollars?
Allez, viens, c'est l'heure de partir au boulot. T'es pas trop vieux pour attraper au lasso. Je tiendrai la vache. T'es d'accord? Tu parles de la traite de la vache? Exactement. Viens. Il t'a déjà donné l'argent pour le ranch. Qu'est-ce que t'en as fait? Junior, je ne comprends pas que tu poses ces questions à un homme qui essaie de survivre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je te le demande. Je sais que le monde est plein de belles filles et que l'alcool coule à flot. Mais non, monsieur. Jamais, je vous le dis tout net, jamais je ne voudrais accepter quoi que ce soit de Curly. Je n'accepterai pas un penny. Ah, ça, non. Parce que... Alors, vous voulez faire le grand défilé avec nous? Est-ce que je peux te reprendre ton cheval, Junior? Ce qui est à moi est à toi. Oui. J'ai pas envie. Une pareille occasion ne se retrouvera pas. Allez, venez les filles. Tous les cavaliers sont priés de se présenter à l'entrée. Eckhoff, Erwillinger, Barton et Vonneur. Ta gueule. Tiens. Mais c'est Junior Bonheur. Mes amis, je vous présente Junior Bonheur. Bert Hensager. Oh, vous vous souvenez bien de moi? C'était il y a 6 ans, dans un bar à Nogales, juste après le radio de Tucson. 6 ans, ça change un homme. Mais toi, tu tiens le coup, Bert. Voici le grand défilé de ce 84e rodéo annuel commémorant la grande époque des pionniers. Le rodéo le plus ancien de toute l'Amérique. C'est le 4 juillet 1888 que les cowboys des ranchs des environs ont donné aux gens de Prescott la démonstration de ce qu'étaient les activités et l'art des cowboys. Salut. En même temps que le premier rodéo, il y avait une petite fête pour commémorer l'arrivée des pionniers. Mais avec le temps, cela s'est transformé en une grande parade et le rodéo de Prescott est devenu l'un des plus célèbres d'Amérique. Bill, passe-le moi, tu veux? Je vais vous présenter maintenant les participants de cette épreuve. Regardez le cowboy qui passe en ce moment devant vous. Il s'est inscrit juste avant la clôture. Il était temps s'il voulait faire ce rodéo. Ace Bonheur sera aussi l'un des concurrents. Il participe au rodéo depuis 42 ans. Et voici pour cette année notre président, 2 fois champion du monde comme cowboy toute catégorie, Davy Pierce. L'un des hommes les plus importants de ce rodéo, l'éleveur de tous les chevaux sauvages et de tous les taureaux que vous allez voir, Doc Rone. Doc Rone d'Amarillo, Texas. Et voici 2 garçons qui vont vous distraire cet après-midi. Tom Lucio. Et faisant équipe avec Tom, le clown et torero qui vient de Enid, dans l'Oklahoma, Jim Hill. Alors un peu de tenue, Tom. Tu lui diras ce que tu as à lui dire ce soir au bar du Palace. Il y a 5 000 $ de prix qui attendent ces cow-boys aujourd'hui. Alors allons-y, première épreuve, course sur cheval sauvage scellé. Thank you.
Junior Bonheur sur le cheval Warpen. Saloperie, tiens-toi tranquille. Le Junior ne saute pas par-dessus la barrière, attends qu'elle soit ouverte. Tiens-le bien serré, Junior. Prêt? Allez, vas-y. Mais un peu courte. Applaudissons Junior Bonheur. Tu sais à quoi je pense, Ace? Si Junior continue à boucher les yeux de mes chevaux avec son cul, il va tous me les bousiller, c'est sûr. Et voici Bobby Jones, qui s'est vu attribuer Pontiac. C'était bien parti, pourtant. C'était pas formidable. On peut pas gagner chaque fois. Bonne course. Le score pour Bobby est de 62 points. Formidable. Voici une épreuve qui exige un minutage particulièrement précis. Le concurrent, qui doit mettre le taureau à terre, saute de son cheval, attrape le taureau par les cornes, le bloque et le fait tomber à terre. C'est aussi simple que ça. Le gagnant de cette épreuve encaissera 850 dollars. Et Red Derwillinger font équipe. Autour de nous, beaucoup de monde. Je précise pour ceux qui ne savent pas que dans ce genre d'épreuve, les cow-boys font équipe à deux. L'un harcèle le taureau pendant que l'autre doit l'attraper par les cornes, l'arrêter et le jeter à terre. Bon, attention. Extrêmement rapide, le meilleur de la journée jusqu'ici. 8 secondes, 2 dixièmes. 8-2 pour Junior Bonheur. Très bien. Et maintenant, nos cowboys vont échanger leur rôle. C'est excellent. Plus Junior qui devra faire tomber à terre le taureau, mais Red Derwillinger. Il fera un meilleur temps que Junior, Red. Taureau 38, Red Derwillinger. C'est pas fort, cowboy! Si t'es si malin, viens prendre ma place.
Et maintenant, écoutez-moi bien. Si vous deviez attraper une bête, fuir en catastrophe et vous trouver en plein milieu d'une bagarre, vous auriez une toute petite idée de notre prochaine épreuve qui consiste à traire une... N'attends surtout pas qu'une boucle soit fixée, Junior. Il n'y a pas une seconde à perdre. Quand tu me verras acheter le lasso, tout ce que tu auras à faire, c'est de te manier le train. Et ensuite, moi, je m'occuperai de la lâche. Pour essayer de t'attraper. Avant de donner le signal du départ aux cow-boys, je vous rappelle que dans cette épreuve, les cow-boys font équipe à deux. L'un retient la vache que l'autre a attrapée avec son lasso. Mais c'est celui qui a lancé le lasso qui doit traire la vache. Messieurs, vous êtes prêts? Tony Martinez et Ray Poole. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas chasser ce chien? On aurait pu gagner. On a gagné. Je propose d'applaudir bien fort le vétéran de notre jeu, S. Bonheur. Un jeune de 60 ans qui tient toujours la forme. C'est ça, envoyez ce chien au diable. Cette épreuve met fin à la première partie de notre spectacle. Nous allons faire une pause. Je vous donne rendez-vous à tous ici à 15h30 pour les épreuves finales de notre grand rodéo. Arrivé? Oh, rien, un petit incident de parcours. On s'est à peine rincé la bouche qu'il n'y en a plus. On ne devrait pas faire des vers si fines. Heureusement qu'il nous reste l'alcool à nous, les perdants. Si, comme on dit, le monde appartient aux vainqueurs, que peut-il rester aux perdants? On pourrait demander du travail à la société Curly. Tout à l'heure, les enfants. Dis donc, Buck, tu viendras me voir monter Sunshine, j'espère. Je viendrai, compte sur moi. Ne me regarde pas comme ça, je ne prends aucune décision avec un verre. Alors ne perds pas de temps, bois vite, tu vas en avoir une à prendre. Vous
voir la marine maintenant. Il m'a téléphoné ici tout à l'heure. C'est très bien, très bien. Oh, Dieu Jésus, il ne manquait plus qu'elle. C'est pas une place pour une femme. Accroche-toi bien au cocotier. Si jamais c'est toi qui as arrangé ça, je sais pas ce qui va t'arriver, mon garçon, mais ça va saigner. Bon, alors, allons, voyons, ne faut pas inquiéter. Ah. Salut, oncle Junior. Comment tu vas, grand-père? Très bien. Venez un peu ici, tous les deux. Ah, vous avez poussé. Est-ce que t'as tué des lions? T'as trouvé des mines d'argent? Comment vas-tu? Madame Bonheur, je vous trouve très bien. Tu es très bien, toi aussi, comme d'habitude. Grand-mère, je peux boire quelque chose? S'il te plaît, il fait tellement chaud. Mais oui, mon garçon, on va tous boire quelque chose. Dell, voilà, apporte-nous de la bière, pour tout le monde. C'était Coca-Cola. Une tournée pour moi et mes gosses. Ça marche. Et vous? La bière, c'est parfait. Ellie, il me semble que tu ne détestais pas un bourbon de temps en temps. Je suis étonné que tu ne l'aies pas oublié. Oh, il pourrait. C'était vraiment splendide, ton char, Curly. Nous avons eu le second prix, c'est pas mal. Bah oui, le second, c'est mieux que le troisième. Ellie? Je crois que ça mérite un test, puisqu'on est tous réunis. Alors, à toi de le porter. Oui, c'est tout à fait logique, c'est moi le plus jeune. Je bois à nous qui avons notre route devant nous. Hé, vous m'aviez promis une danse. Arlis. Vous connaissez tous Arlis? En effet, je connais son nom. Bonjour, Madame Bonheur. Alors, on danse ou non? Est-ce que tu n'as pas toujours gardé ta première danse pour maman? C'est ce que tu faisais avant. Ça n'est plus du tout comme autrefois, les garçons. Les temps ont changé, et moi surtout, j'ai changé. Danse avec elle, va. Que la vie est compliquée. Désolé, je ne peux pas danser avec les deux. Excusez-moi. Allez, Arlis, viens, on va arranger ça. Une bière, Curly? Comme autrefois, tu te rappelles? Alors, tu veux une bière? Junior, tu es mon frère. Et tu sais que je t'aime bien. On est de la même famille. Ça m'est égal ce que tu feras. Tu peux vendre des baraques, tu peux en vendre. Ce que je voudrais, c'est qu'on reste ensemble. Je dois suivre mon chemin. Mais quel chemin? J'aurai bientôt mon premier million de dollars. Et tu en es à améliorer tes viscomes. Fais-moi danser, chérie. Voici une chanson que je viens d'écrire pour tous les amateurs de rodéo, l'homme du rodéo. Downtown, anytime after the band starts playing, I'll be around, I'll park my two.
Danser, mademoiselle. Vous dansez, n'est-ce pas? Je crois que t'as peur d'assister, Junior. Ah, c'est pas sûr. D'accord. Hé, on pourrait pas jouer quelque chose de plus lent? Une seule danse, Junior. C'est tout ce que je peux te permettre. Hey, Junior, où t'as trouvé cette nouvelle poupée? Et toi, où t'as trouvé la tienne? Là, ici, il y a un quart d'heure. C'est une jeune pouliche qui fait partie de l'élevage de Cheyenne. Est-ce que tu me la laisses une seconde? Ah, je suis désolé, Red, mais je n'en ai pas l'intention. Tu comprends pourquoi? Oui, je comprends très bien. J'espère que tu la traiteras mieux que Sunshine. J'espère aussi. Ah, qu'est-ce qu'il est, ce Sunshine, le rugby? Oh, c'est un taureau que je monte. Junior. Salut, ma jolie. Ce que je vous ai jamais dit que... Dégage-toi. Quoi? Ça va, du calme. On ferait bien d'aller chercher avec vous. Arrêtez, va, arrêtez. Qui? Ne fais pas l'idiot. Ça suffit, allons, c'est pas le moment de se bagarrer. Défie-toi, Buck. Comment tu t'appelles? Charmaine. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Junior? Ben, je vais te dire la vérité, j'en sais rien. Ça ne te donne pas de complexe? Bon. Oh, ils sont là! Tu vis à Phoenix? Je suis cœur les bonheurs! Et ils s'emmerdent! Tu travailles là-bas? Oui, dans une banque. Oh, c'est ça, bon, Junior, c'est pas très palpitant pour parler de ce que tu fais. Non, bah, sauf si ton père est banquier. Maldon. Idiote, ma femme est là. Arrête, je te dis qu'il y a ma femme. Hé, hey, moins fort. Va-t'en, mais quelle merdeuse. Doucement. C'est bien regardé aujourd'hui, tu t'en es bien tiré. Je tombe un peu trop souvent, non?
cachez pas de mon chien, les gars, il est vicieux. Et tu sors toujours avec ce gars-là? Non. Je ne crois pas qu'il ira loin. Inutile que je perde mon temps. Ça, je suis bien de ton avis. Tu as une amie? Pourquoi? Pour que je la tue. Je suis juste de passage. Tu vas où? Je vais d'abord à Salinas, à El Paso, et ensuite à Fort Worth. Cowboy motorisé. Changez de disque, les enfants, c'est le moment de jouer l'hymne national. Mais attention, on y va. Tâchez d'y mettre un peu de sentiment. Soif à courir comme ça. Viens boire un coup. Et voilà. Merci. À ta santé. Ah, t'avais raison, je me sens bien mieux maintenant que j'ai à boire. Ouais. Pourquoi tu cours toujours derrière les filles? Eh, je les aime bien. Non, 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 c'était un taureau, pas un cheval de labour. Il s'appelait Holly Joe. Tu te rappelles, Roy? Ouais, je m'en rappelle très bien. Il était borgne. Mais il lui manquait un œil. Plus vicieux qu'une botte bourrée de barbelés. Ouais. Il a envoyé une quantité de gars au cimetière. Pas mal de cow-boys ont dû se retrouver chez Dieu le Père. Ouais, les gars. Et moi, ça faisait au moins un an que je voulais le tirer au sort. Eh bien, figurez-vous que quand on est arrivé à Madison Square Garden, bon Dieu, je l'ai eu. J'avais dit à M. Dempsey dans son restaurant où j'avais été la veille. Oui, on nous avait présenté l'un à l'autre comme deux champions. Je lui avais dit, si vous voulez voir un vrai combat, eh bien, venez me voir avec ce taureau tenir le coup 8 secondes. Eh bien, j'ai monté ce taureau borgne. Et au bout de 8 secondes, j'ai vu tous les gens qui étaient là se lever en hurlant et en applaudissant. Plus de 16 000 personnes étaient debout et criaient mon nom. C'était la dernière fois. Ellie, excusez-moi. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'ai demandé où tu allais. J'avais besoin d'air. Ne pars pas, Ellie. Il faut que je te parle. D'une manière ou d'une autre, je pars en Australie. Je t'en reconnais bien. Tu as toujours su mettre des distances entre nous deux. Oh, allons, tu as tort de dire ça. Non, ne t'en vas pas comme ça. Dis-moi ce qu'il faudrait que je fasse pour en sortir. Les mines d'argent sont à sec. Les primes pour les lions sont supprimées. Tu sais, j'ai réfléchi. Tu pourrais venir avec moi? Oh, je t'en prie, cesse donc de raconter n'importe quoi. T'as tort, tu sais, je te jure que t'as tort. L'or de l'Australie. L'argent du Nevada. Tu te répètes un peu trop, tu sais. Calme-toi, voyons, on va tout de même pas laver notre linge sale en public. Pourquoi est-ce que je devrais me taire, hein? Mais voyons, écoute-moi. Je n'écouterai rien du tout. Fais ce que tu veux, moi ça ne me touche plus. Ta femme en a plein de dos. Tu peux aller au diable, tu peux aller en Australie, mais pas avec moi. Je comprends pas ce que t'as. Des rêves, des belles histoires,
qui n'est vraiment bon qu'à ça. Reste avec moi. Et tu verras que ce ne sont pas des histoires. On a eu de bons moments tous les deux. Bon Dieu, tel que je te connais, j'aurais dû la voir venir. Oui, t'aurais dû la voir venir. Mais je pars pour de bon, tu sais. Et peut-être que je ne reviendrai jamais. Alors, elle ne nous reste qu'aujourd'hui. Oh, de toute façon, quand on a vu un rodéo, on les a tous vus. C'est vrai. De cette équipe de Riverside, Californie. Le temps de Billy Walker et de Jones, 16 secondes, 4 dixièmes. Prochain lanceur de l'assaut, deux cowboys de Casa Grande dans l'Arizona, Jim Carter et Paul Arnold, qui vont essayer de faire mieux. Le temps record jusqu'ici, 15 secondes, 3 dixièmes. 15 secondes, 3 dixièmes pour Jim Carter et Paul Arnold. Les suivants sont Bob Ballon de Mayer, Arizona, et Alan Gardner de Québec, Arizona. Ah, au départ, la phrase était assez rapide. Dommage. Junior. Les deux derniers lanceurs de la sonde sont Henry Thompson de Florence, Arizona et Burt White de Phoenix. Il est difficile de faire mieux que Carter et Arnold. 15 secondes, 4 dixièmes. Moi, à ta place, je crois que je ferai une prière. Nous allons maintenant assister à l'épreuve finale, la monte des taureaux, l'épreuve la plus dangereuse du rodéo. S'il veut toucher la prime, le cowboy doit rester en équilibre sur un diable déchaîné qui pèse une demi-tonne pendant 8 secondes. Qu'il réussisse ou qu'il se fasse jeter à terre, la sécurité de nos concurrents dépend comme toujours de l'audace de nos clowns de rodéo. Le compte des points dans cette épreuve est semblable à celui de la monte du cheval sauvage avec selle. Chaque juge peut accorder jusqu'à 25 points pour la performance du taureau et du cowboy. Le prix pour le vainqueur, $950. Bon, je crois que les concurrents sont prêts. Succès, action.
gamins qui ont de la chance au départ. En ce qui concerne M. Carbonneur, il doit monter Sunshine, qui a déjà été victorieux dans 29 épreuves. Le 29e cavalier, pour le cas où vous ne le sauriez pas, était Junior Bonheur. Nous le retrouvons 4 jours plus tard, ici à Prescott, dans sa ville natale, prêt à affronter de nouveau le taureau de Buck Roll. Quel effet ça te fait, Junior? Et voici Junior Bonheur sur le taureau Sunshine. Il a réussi. C'est le premier homme qui a tenu plus de 8 secondes sur Sunshine. Les juges du rodéo viennent d'attribuer 92 points à cette épreuve. 92 points pour Junior Bonheur. Ça va l'enrichir de $950. C'est la dernière épreuve de la journée. Ça fait score, ça, Junior. Oui, merci, il était temps. Quelle belle fin pour le 84e rodéo annuel de la fête des pionniers. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'après 84 ans, les cow-boys sont toujours aussi coriaces. Nous voudrions aussi remercier la... immédiatement à la porte numéro 5. Nous vous demandons de bien vouloir préparer vos billets, s'il vous plaît. Je répète, les passagers pour le vol 417 en direction de Phoenix et de Tucson... Voilà, c'est terminé. Il va falloir que je reprenne la route. Embarquement immédiat. Au revoir. Non. Junior! Tu as gagné, c'est bien ce que tu voulais. Oui. Au revoir. Simple pour Sydney en Australie. Un homme et un chien. Bien, monsieur. Alors, en classe touriste, ça vous coûtera $585. Et la première classe coûte $798 plus $40 pour le chien. Ben, donnez-moi en première classe. Très bien.
Mettrez ça au nom de Monsieur S. Bonheur. Oui, monsieur. Et soyez gentil, faites-le porter au bar du palace, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a rien à me rendre. Oh, s'il veut savoir qui a payé son billet, qu'est-ce qu'on lui dit? Que c'est de la part de Junior. I'll be in town this weekend, honey. Look for me downtown. Anytime after the band starts playing, I'll be in town.